Liberté, égalité, fraternité. Cette devise, nous y croyons. On y croit tellement qu'on a décidé d'orienter nos carrières professionnelles sur ces valeurs. Nous faisons partie de ces métiers invisibles, de ces métiers silencieux qu'on ne cite jamais, mais qui sont les premiers à encaisser les crises sociales. Travailler 35 heures en tant que stagiaire, accompagner des personnes comme tout le reste de l'équipe pour une gratification quand il y en a une qui ne permet même pas de vivre dignement, injuste. Mais ça en vaut la peine. Manger des pâtes tous les jours et se serrer la ceinture tous les mois pour pouvoir s'offrir de temps en temps des petits moments d'escapade. Difficile, mais ça en vaut la peine. Encaisser les souffrances, les violences et les émotions des personnes mises de côté par une société en crise, c'est dur, mais ça en vaut la peine. Signer pour une formation ? Faire les sacrifices nécessaires pour compléter les exigences des centres de formation ? Et en cas d'échec, devoir repasser l'ensemble de la formation ? Non. Liberté, égalité, fraternité. Nous travaillons au quotidien pour ces valeurs. Et aujourd'hui, on accepte de sacrifier une génération entière de futurs travailleurs sociaux. Pour vous expliquer, les futurs travailleurs sociaux qui passent leur diplôme en 2020 n'ont pas le droit à l'erreur. Aucun rattrapage n'est prévu pour eux. C'est soit ils réussissent, soit ils recommencent l'ensemble de leur formation, c'est-à-dire 3 ans. Mais d'où ? À quelle heure ? À quelle heure on va demander à des étudiants de recommencer les 3 ans ? Tout ce qu'ils ont fait là, on fait quoi ? On efface tout et on recommence ? Ces invisibles, c'est Michael, Audrey et Sophie. C'est ton frère, ta sœur, ton cousin, ta tante. C'est la personne que t'as croisée dans la rue. C'est la personne qui s'occupe de ton petit cousin éloigné un peu chelou. Ces invisibles contribuent par leur action à la solidarité nationale, à faire en sorte que s'il t'arrive quoi que ce soit dans la vie, que tu puisses bénéficier d'un soutien, que ce soit ponctuel ou quotidien. Notre demande est simple. La suppression de l'article 11 des arrêtés du 22 août 2018, afin de pouvoir continuer notre formation, qu'elle soit financée et que des rattrapages soient organisés. Le financement public des gratifications de stage pour nous garantir des conditions de professionnalisation satisfaisantes, notamment par la création d'un budget dédié. Le bac plus 3, rétroactif pour tous, quelle que soit l'année de rentrée en formation. Qu'est-ce qu'un gouvernement qui ne prend pas soin des personnes qui défendent ses valeurs ? La devise républicaine ne serait-elle que des mots ? Nous ne pouvons croire en une telle injustice. Ah, l'action sociale. On se demande toujours ce qu'elle fait. On se demande toujours pourquoi on la finance. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand elle n'est plus là. La liberté n'est pas morte. L'égalité n'est pas morte. La fraternité n'est pas morte. Ensemble, agissons pour faire bouger les lignes. À tous ceux qui auraient peur de signer la pétition ou de partager la vidéo, on n'en est pas encore là.